Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran Rachel, ainsi que le Refoua Tariakiba Ben Shachar, Shlomo Ben Esther, Rafael Zulun Ben Chayam Aliyah, et aussi les Atzlachat Daniel Ben Esther. Si vous souhaitez vous dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez le Sacré-Dieu éternel. Nous étudions aujourd'hui Maser Davot, Perek He, Mishnah Chav Bet et Chav Gimel. Mishnah Chav Bet, Ben Bagbag Homer, Aforba va Aforba de Cholaba, et on continue la Chav Gimel directement. Ben Hehe Omer, le Fum Tsara Agra. J'ai voulu lire les deux Mishnayot pour vous faire remarquer les noms originaux de ces deux Tanaïm. Celui de la Mishnah Chav Bet s'appelle Ben Bagbag, et celui de la Mishnah Chav Gimel c'est Ben Hehe. Des noms très originaux, vous imaginez bien, c'est difficile de concevoir qu'au Brit Mila de Yohanan ben Bagbag, on l'a dit, Vekareshmo ben Israël, Bagbag, c'est un peu un schéma un petit peu original. En fait, le Tosot Yom Tov rapporte au nom du Midrash Shmuel, au nom de Rabbi Yehuda, le fils du Roche, que, en réalité, c'était des noms de code, c'était des guérim, c'était des convertis, ces deux Tanaïm, deux convertis qui sont convertis, qui sont devenus des grands de la Torah, et que concrètement, il fallait se cacher. Apparemment des Romaïm, des Romains, je suppose, ils devaient se cacher, sinon ils se faisaient zigouiller la tête. Donc du coup, on leur a attribué des noms de code. Et les deux pères, les parents des guérim, des convertis, c'est bien sûr Avraham et Sarah. Or, Avraham s'appelait Avraham au début, et puis ensuite il est devenu Avraham, on a rajouté le He. Et Sarai, elle est devenue Sarah. Donc on a changé le He. Si vous faites attention, ça fait un He pour Avraham, un He pour Sarah. En l'occurrence, Hé, la Gématria, c'est 5, Bag, la Gématria, c'est 5, donc Ben, Bag, Bag et Ben, Hé, Hé, c'est les deux enfants de Avraham et Sarah, de Guérim, qui étaient deux Tanaïm. Ça, c'était pour les noms. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont venu nous enseigner? Alors, le premier, c'est Ben, Bag, Bag. On rapporte que c'est en réalité Yohanan Ben, Bag, Bag, qui est cité dans la Gemara de Kiddushin, c'est le petit frère d'Israël qui rapporte. Alors, il nous dit, Haforba, va Haforba, de Cholaba. C'est en araméen, ça se ressemble beaucoup. Ça ressemble beaucoup à l'hébreu, à Forba, retourne en elle, et retourne en elle, retourne là, et retourne là. Comme si, qu'on parlait d'une terre. Et, ouais, creuse, creuse, creuse. C'est ce qu'il nous donne comme conseil dans la Torah elle-même. Creuse en elle, et creuse en elle des kolaba, car tout se trouve dedans. Chakol ba, tout se trouve dedans. Ou ba techezé, et par elle, tu, techezé, tu regarderas, tu verras. Par elle, vois en grâce à elle. Apprends à voir avec sa conception. Vesiv ouvle ba. Et, alors, Siv, c'est Melachon, va Avraham, Zaken, va Avraham, Siv. Tisdaken ba. Vieillis en elle. Ouvle ba. Et fais, et use-toi en elle pour la comprendre, pour l'approfondir. Ou mina lotazua, et d'elle, ne te sépare pas un seul instant. She'en echa midatova emena. Car il n'y a aucune autre mesure qui peut l'égaler. Soit il vient nous donner un conseil, Ben Bagbag, très fort, en nous disant tout se trouve à l'intérieur de la Torah, passe ton temps à étudier, à approfondir, à creuser à l'intérieur de la Torah. Moi d'abord, on va faire en deux couches. D'abord en expliquant plus ou moins l'allure de la Mishnah, et après on va apporter une belle explication du Tiferet Israël, quel rapport avec la Mishnah précédente, et pourquoi il a fallu tellement répéter ces phrases. Il vient nous dire, sache qu'en tout cas, tout se trouve à l'intérieur de la Torah, tu trouveras toutes les brachot à l'intérieur de la Torah. Et donc, creuse en elle et creuse en elle, que tu verras, grâce à elle, tu obtiendras tout. Alors, des kolabas, tu obtiendras tout, ça implique que toutes les brachot se retrouveront en elle. Soit, quelque part, tu pourrais te dire que, ouais, mais aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup de parnassa. Donc, j'ai beaucoup de besoins, j'ai beaucoup d'enfants à marier, à gérer, peu importe. Donc, je vais partir passer mon temps, toute ma journée, que à travailler du matin jusqu'au soir. Et bien, il nous dit non. Sache que tu dois te fixer aussi un instant, tu vas creuser à l'intérieur de la Torah, et même plus que ça. Plus tu en donneras, plus tu obtiendras la bracha, parce que des kolabas, car tout se trouve à l'intérieur d'elle, soit, comme le pasuk nous dit, Orech yamim bimina, Osher vechavod mismola, tu auras la longévité, la longue vie à sa droite, Osher vechavod, les honneurs et la richesse à sa gauche. Tout se trouve à l'intérieur de la Torah. Toutes les brachot peuvent s'obtenir grâce à la Torah, si tu étudies la Torah, bien sûr, nishma, pour te rapprocher d'Hachem, et tu mets de côté tes soucis, sache qu'ils seront résolus.
Ou batechézé, et apprends à concevoir la vie selon elle. Soit, quand tu veux voir, tu ne sais pas quoi faire, tu hésites, quelle marche à suivre, eh bien, concerte-toi avec la Torah. Essaye de réfléchir, concerte-toi avec un rave qui va t'aider à voir à l'intérieur de la Torah, comment la Torah elle considère qu'il faut faire. Ça, c'est batechézé, tu verras en elle. Et continue donc, si vous voulez, bah, et continue à te donner, à t'user en elle, ou mina, elle ne la quitte pas un seul instant, ça vient, le Bartendor nous explique, ça vient nous apprendre de ne pas apprendre des chochmot ritzoniot, des sagesses externes à la Torah, et le rapport de le Bartendor, mais dans ce sujet, qu'on aurait étudié la philosophie, ou d'étudier, même d'étudier les sciences en tant que science, c'est interdit, si ce n'est que ça peut aboutir à un travail. Alors dans ce cas-là, alors on aura le droit de faire, comme j'ai le droit d'apprendre un travail, j'ai le droit à apprendre à mettre des semelles si je veux apprendre à être cordonnier. Alors dans ce cas-là, je pourrais faire des maths et de la physique si je veux apprendre à si c'est pour apprendre un métier, ça oui. Mais en tout cas, si c'est en tant que pure science, apprendre la philosophie à plus forte raison, goït, alors sur ça, c'est interdit. Shen lecha midat tova emena, car il n'y a pas de plus belle mesure qu'elle. Ça, j'ai vu quelque chose de très joli aussi, qui était en fait, c'est dans le Tiferet Israël qui vient et qui nous dit... Il n'y a pas de plus belle mesure qu'elle par rapport à quoi ? C'est-à-dire, donc il y a d'autres choses qui sont importantes, mais elle est encore plus importante. Une des explications qui rapporte le Tiferet Israël, ça fait allusion à tous les conseils qu'on a pu donner depuis le début de Maseret Avot. Alors il vient de dire, sache que finalement le plus grand des conseils, c'est le conseil que je suis en train de te donner en ce moment, de t'user, de faire tout que par la Torah. Car en Hamida Tova Emena, que ce conseil que je suis en train de donner, il n'y a pas de meilleure mesure, de plus beau conseil à te donner que ce que je viens de t'apprendre. De te donner à fond dans la Torah. Ça, c'est l'interprétation au sens simple du Bartanora avec un petit peu d'épices à la Tosfot Yom Tov. Le Tiferet Israël, il a fait quelque chose d'extraordinaire dans cette Mishnah. Il explique que cette Mishnah vient compléter la Mishnah précédente. De toute façon, dans la Mishnah précédente, on étalait toute la vie de l'homme 5 ans, 10 ans, 13 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Je crois qu'il n'y avait pas les 50. Il y avait directement ensuite, après les 40, on passait à 60, et 70, et 80, et 100 ans. Shloshim, Chamesh Esre, Arbaim, Chamishim, il y avait aussi Chamishim, Shishim. Ouais, tous les 10 ans, on les a tous donnés. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie à chaque année, à quoi tu es apte, quel est ton challenge à partir de ta nouvelle décennie, quand tu vas passer les 60 ans, quand tu vas passer les 70 ans, les 80 ans. Il y avait plein de conseils, plein de choses en réalité. Il vient, il nous donne un conseil, fais attention. Ben Bagag nous dit, fais attention. Sache que dans toutes les étapes de ta vie, ça fonctionne bien avec l'étude de la Torah. Si on remarque que dans la Mishnah précédente, l'étude de la Torah, on l'a retrouvée à 5, 10, 15, et après, c'était presque fini. Après 18 ans, tu te maries, 20 ans, la Kohar, il faut la force pour partir travailler, et puis 30 ans, plutôt 20 ans, c'était l'Irdov pour courir après la Parnassa, la Kohar, c'est la force, ça implique quoi. Alors vient, il nous dit maintenant, sache que toutes ces périodes, toutes ces étapes, n'oublie pas, tu restes sans arrêt collé à la Torah. Seulement la Torah va prendre une autre allure chez toi, elle va devenir différente. Quand tu es jeune, c'est haforba, haforba, retourne là. Quand tu vas arriver maintenant en âge de te marier, alors sache que souviens-toi que des kolabas, tu trouveras à l'intérieur d'elle. Donc ça, on est à 20 ans, donc tu vas avoir besoin de parnassa maintenant pour subvenir aux besoins de ta famille. Sache que kolabas, tu trouveras tout grâce à elle, à l'intérieur d'elle. Ne crois pas qu'il va falloir maintenant, tu as une période de ta vie où tu as étudié la Torah, puis ensuite... Ça y est, il faut faire autre chose. Non, on ne s'arrête jamais d'étudier la Torah. Certes, il y a besoin de faire aussi d'autres choses à côté, parce que maintenant tu as un besoin. Mais sache que tu restes toujours avec le collé à l'étude approfondie de la Torah. Et ainsi de suite, quand tu vas arriver en âge de donner des conseils. Ouais, parce qu'on avait dit ensuite, à partir de Ben Arbaim, la Bina, la Etza, pour pouvoir comprendre et donner des conseils aussi aux autres. Et bien sache que de nouveau, bah, t'es chézé, tout ce que tu pourras donner comme conseil aux autres, tu vas devenir maintenant. C'est impliqué, concrètement. Tu arrives en âge de maintenant, marié. Tes enfants, quoi, qui choisir comme gendre, comme belle-fille, comment, quelle avis donner, quel conseil donner. De nouveau, bat et chézé, apprends toujours à concevoir avec le regard de la Torah. Et si vous voulez bas, ça vient maintenant, si vieillis et use-toi en elle, ça veut dire que lorsque tu vas arriver maintenant en âge de... Tu vas arriver maintenant à parler des 70 ans, Zikna, Seiva, Gvura, ou maintenant tu perds toute ta force, reste encore collé à elle. Reste encore collé à elle, au minal otazua, parce que même finalement, tu ne la quitteras pas, même quand tu passeras au monde futur. Là-bas, comme la Gemara nous rapporte, que tzadikim, enyem menucha ba'olam haba, ba'olam hazeh velo ba'olam haba, parce que là-bas aussi, on continue à étudier la Torah, yoshvim vatoten berosham, et ça, c'était pour la Mishnah Chavbet. Mishnah Chavgimel, ben hehe omer,
Les Fum Tsahara Agra. Ben Hehe nous enseigne les Fum Tsahara Agra, une grande règle. Les Fum Tsahara Agra. Littéralement, si on traduit ça en hébreu d'abord, les Fum s'en ramène à ça aussi. Les Fi Hatsahar Asahar. Plus tu peines, plus tu auras du mérite, du salaire. Tout ce que l'on mérite sur terre, c'est une grande règle. Il y a des gens. Ça peut être pris de plusieurs choses, mais tout d'abord, sache qu'on est sur terre pour travailler, et plus c'est dur, plus tu peines, plus tu gagnes. Plus tu gagnes au monde futur, mais même plus tu gagnes aussi au monde présent. Parce que plus tu vas t'efforcer et suer pour obtenir, pour faire tes mitzvot, parce que c'est dur, et tu vas te forcer à le faire jusqu'à que tu vas en faire un vrai kinyan, tu vas acquérir ce traité de caractère, tu vas acquérir l'étude de la Torah que tu es en train d'étudier, cette bonne conduite. Tu dois lutter, tu as une nature qui n'est pas comme ça, que tu vas te forcer à la faire, et ben, selon elle, tu auras le mérite double de tous les côtés, au monde futur et même aussi au monde présent, jusqu'à que la chose elle va devenir une partie intégrante de toi, tu vas réussir à t'élever et à t'en sortir, mais en t'achèvement, et à obtenir même un salaire sur cela. Objectivement, il faut savoir qu'on a, en théorie, si vous faites attention, moi j'ai tué avec une vraie Mishnah, pas avec la Mishnah imprimée de 5 minutes, mais avec la Mishnah, là-bas, il y a marqué « Slik Maseret Avot ». Ça signifie qu'en théorie, on a fini la Mishnah de Avot. Seulement, on a l'usage de continuer Pirkei Avot en rajoutant un autre perek qui se trouvait ailleurs, qui était des Braïtot, qui se trouvait dans une Tosefta, comme on l'expliquera à partir de demain lorsqu'on va à Shemot Chachamim et le Shem Mishnah, et qui en fait des Tosefot, qui ont fait que Rabbi n'a pas inclus ça dans la Mishnah de Maseret Avot. Seulement, comme on a l'usage de lire pendant les 6 semaines qui séparent Pesach et Shavuot, les 6 Shabbatot, on a l'usage de lire les Pirkei Avot, donc ça fait, il manquait un sixième. Chachamim, ils ont mis le Perek Kinyan Torah, avec lequel on se prépare à recevoir le don de la Torah, qui est un Perek qui va nous parler uniquement de l'importance de l'étude de la Torah à présent. Donc du coup, on ne va pas faire le Sioum tout de suite, mais on fera le Sioum lorsqu'on arrivera à la fin de ce Perek qui complète le Pirkei Avot, Bezrat Hashem, en vous souhaitant une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.